vu tout le monde. Mais qu'on pouvait pas récupérer du coup. Donc on va le coup le récupérer. Hein. Donc du coup on va descendre du coup bah, les marches d'escalier parce que du coup bah, le tonneau il faut le donner à Tricot. Alors on va essayer de descendre les marches. Alors je suis désolé si jamais je fais un petit peu de bruit, mais c'est juste parce que ma manette elle est complètement à plate. Et vu que ma manette elle est à plate, j'ai complètement oublié de rebrancher la manette. Alors je la branche là. Ah c'est bon, j'ai branché. Alors, excusez-moi du coup pour le début parce que du coup j'avais oublié de le recharger. Hein. Alors faut descendre encore les escaliers puis après on va pouvoir lui donner. À Trico. Bah oui parce que Trico il a quand même faim depuis la dernière fois, ça fait quand même 3 jours qu'on s'est pas retrouvé pour lui donner un petit une petite une petite boîte. Hein. Alors je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais c'est une petite boîte de conserve, il suffit juste de l'ouvrir, hop, et on peut lui donner ce qu'il y a dedans. Enfin lui il mange directement la boîte même si on même sans ouvrir le couvercle. Donc on va lui poser ici. Je crois que c'est avec cette touche qu'on peut le poser, ouais, c'est ça. Un bon repas, hein. C'est bien bon. Hein. Miam miam miam. Hein. C'est bon. Hein. C'est peut-être un peu tiède, mais ne t'inquiète pas. Hein. Ah non, ne fais pas tomber la boîte parce qu'honnêtement si elle tombe si elle tombe dans l'île. Bah, faudrait que je recommence, moi ça, ça va où, hein. Alors regarde, rien, t'as vu la boîte elle est bonne. Hein. Non, non, en vrai, regarde, elle est juste devant toi en vrai. Je crois qu'il l'a pas vu en fait. Je sais pas ce qu'on peut l'appeler, c'est un tonneau, mais bon. Elle ressemble à une boîte de conserve, hein, en vrai. Alors par contre, je suis où? Parce qu'en fait, cette fuite ici, c'est tellement étroit. Bon, on va attendre qu'il avance, Rico, parce que je vois pas où je me suis. C'est bon. On va avancer un petit peu, Tricot, d'accord, si tu veux bien. Parce que c'est vrai que là, ça fait un petit moment que je suis dans cet endroit. Et j'aimerais bien avancer un peu parce que là, c'est pas mal. Ah, ça fait du bien de trouver l'air libre. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça fait bien de revoir un peu l'air libre pour le coup là. Alors, ça dérange pas si jamais je saute, j'ai vraiment cru que c'était fini pour moi. Là j'ai pris une photo là juste à l'instant T même là. Je me suis dit tiens il est pas mal là on est. Je l'ai pris, je sais pas du tout si c'est bien. Mais honnêtement l'endroit me paraît bien donc autant en profiter pour le prendre là. Parce que je ne sais pas si plus tard je vais pouvoir en prendre une photo. Hein. Parce que la dernière fois j'ai pris une photo ici, vous vous en rappelez. Alors je vous ai pas venir ici parce que je sais pas si la sauvegarde elle était où alors. Parce que sur le coin cette chose à la zone, on sait pas où elles sont les sauvegardes. Donc à chaque fois bah, j'avais peur de venir ici et puis que finalement bah, le jeu je pouvais plus revenir là-bas pour ça. Et c'est parce que j'avais un tonneau caché. Et si jamais le jeu sauvegarde là, je n'aurais pas pu récupérer le tonneau. Alors pour le moment on a loupé qu'un seul tonneau, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est-à-dire que comme j'ai dit, je connais le jeu normalement. Vous pouvez me faire confiance, on n'en a pas loupé de tonneau. À part celui que bah, on a loupé, mais je vous ai dit l'emplacement. Ah vous me direz si vous obtenez le trophée à la fin du jeu. Hein. Et puis si vous l'obtenez, c'est que j'en ai pas loupé un seul de tonneau. Enfin, c'est-à-dire que le tonneau avec la catapulte là où il faut la récupérer, bah comme j'ai dit, si vous prenez le temps, parce que vous pouvez prendre autant de temps que vous voulez pour récupérer ce tonneau. Moi j'ai pas le temps forcément nécessaire. Hein. Et comme vous savez, moi je suis en vidéo, donc du coup, je peux pas forcément le faire parce que du coup, forcément, en enregistrement vidéo, c'est avoir une vidéo qui est longue parce que la vidéo fait 20 minutes, mais en 20 minutes ça passe vite sur The Last Guardian, vous savez. C'est pour ça que je préfère avancer, donc parce que ne pas rester 10 minutes sur un obstacle. Comme remplir un permis. Non, Trico. Vous voyez notre objectif, vous voyez la grande tour là-bas en haut? Et bah c'est ça notre objectif. On n'est pas rendu hein, pour se rendre là-bas en haut.
Ben oui, c'est le problème, c'est que vous vous souvenez dans la dernière vidéo, on l'avait atteint en vrai la tour blanche. Hein. Vous voyez le pont en face de nous, et ben vous voyez le pont, et ben on était là-bas. Moi, j'étais là-bas hier. Enfin hier, enfin dans la dernière vidéo quoi. Ben ouais, Rico. Ben viens, on avance, Rico. Ben oui, hein. Ben viens. Faut avancer dans cette direction, d'accord? Voilà, c'est ça. Oh, tiens, du pique, Rico. Voilà. Hein? D'accord, je te caresse pendant ce temps-là pour remettre les plumes, tu vois. Parce que c'est un petit peu tout ébouriffé un peu partout, d'accord? Alors, attends, il y en a encore une ici. Attends, encore un petit peu dans le coup, c'est un petit peu ébouriffé, j'ai l'impression. En tout cas, tu vas me manquer en tout cas, Trigo, hein, dans pas longtemps. Hein. Parce que c'est vrai que dans pas longtemps, bah, non, ça sera déjà la fin. Enfin, on a encore un petit peu de temps à passer ensemble, Trico, mais c'est vrai que ça sera pas forcément plus très 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 long, même s'il reste peut-être au moins peut-être 5 fois. Potentiellement, on pourra se retrouver. Bah, je pense, je ne sais pas vraiment encore combien de fois on se retrouvera, mais au moins 5 fois encore. Hein. Et après, bah, je ne sais pas. Ouais, il faut exactement sauter là. Ah non, pourquoi il a sauté ici? Non, je lui ai pas dit de sauter ici, moi, pourtant. Je lui ai pas dit de sauter là. Non, faut venir là-bas. Voilà. Maintenant, on va aller là. C'est pas ce qu'il pourrait pour moi. Et là, on va enclencher un combat. Je savais qu'il y avait un combat ici, c'est pour ça que je restais sur le frigo. Parce que je savais qu'il y avait un combat. Oui, bizarrement. Allez, on va se le faire cette nuit. Allez. Hop, un coup de pavate et hop, ça y est. Moi, il a tout fait ou pas? Ouais. Quand la musique elle se calme, c'est quand il a tout fait. Bon, en vrai, on a bien géré. Hein. On n'a pas eu de pieux. Hein. T'as trop compte, t'as pas eu de pieux parce que ça, normalement, vous voyez ça? Et bah, c'est les ennemis, normalement, ils lancent ça dans le tricot, justement. Et bah là, il en a pas eu pour une fois. Bah pour une fois parce que des fois c'est souvent qu'il en a hein, malheureusement. Par contre c'est joli en vrai ici, regardez. Alors, en vrai ce que j'aurais bien aimé c'est que Trico soit devant et là qu'on prenne là. Okay. Ça aurait été mal. Voilà. Je sais pas si ça va être possible de le faire, on verra. Je vais voir si on peut techniquement faire ça. On va voir. Je vais regarder.
Là, je viens de prendre la main. Là, je viens de le prendre. Je l'ai pris avant qu'il fasse les yeux. Mais je sais pas. Faut voir. À voir. Alors, on va ouvrir ça. Ah, on a l'ennemi qui revient. Aller dans cette direction. Alors, le problème c'est qu'il y a des ennemis ici. Donc, je vais l'attaquer. Donc, là, notre objectif est de prendre la queue de l'ennemi. Et de coincer la queue dans la porte. Hein. Comme ça, il n'y a pas une comme ça, il va partir. Enfin, il va pas partir, mais au moins, il va arrêter d'attaquer. Je savais qu'il fallait faire ça, mais c'est pour ça que j'ai anticipé ce qu'il fallait faire. On va aller vers ce tricot là, celui-là il est vraiment mal en point. Hein. Le pauvre tricot. Hein. On va aller le voir. Hein.
J'ai cru que j'allais mourir hein, en restant avec Tricot comme ça. Regardez comme il est mal en point. Oh. Le miroir hein, qu'il avait avalé. On l'a à nouveau. Enfin, qu'il l'avait justement quand il nous avait mangé. Le miroir, on l'avait plus, on l'a à nouveau maintenant. Illuminer, maintenir rond, utiliser le joystick gauche pour monter la. Et oui, maintenant on va pouvoir en réutiliser à nouveau ça. Vous en souvenez de. Je sais pas si vous en souvenez de cet endroit, mais on était déjà venu ici. On était déjà venu justement, et justement on avait fait même une miniature en étant ici. Regardez. Ici. On y était déjà venu au passé, hein, ici. Hein. Du coup, on revient là. Regardez. On était ici. C'était à la vidéo numéro 9 pour vous dire. L'endroit où je suis, on était à la 10e vidéo, la 10e vidéo. Non, la 9e vidéo de The Last Guardian. Ben voilà, justement, la 9e vidéo de The Last Guardian, on était ici. Et on est justement, ben voilà, on est de retour ici. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a fait tout ça pour revenir finalement ici, quoi. Donc, finalement, ça fait deux fois, en fin de compte, qu'on fait un trajet. Et que ben on revient, comme j'ai dit, la première fois on était passé par ici. Et donc là, ben on tombe de là-haut pour venir là maintenant. Et donc notre objectif, ça sera de remonter ici. Maintenant. Alors là, vous voyez ça? Il va falloir mettre un petit peu d'éclair là-dessus. On est vraiment assez loin. Hein. Donc là, on va lui donner des petits des tonneaux à Tricot tout simplement pour le remettre sur fier. Hein. On va falloir directement lui donner bah, du coup à la bouche directement. Que j'avais pas bien fait de passer par là. Donc là, on lui a donné tout simplement deux tonneaux. Donc du coup, bon, on lui donnera deux tonneaux parce que là, il s'agit qu'on a encore deux tonneaux à récupérer. Vous voyez là-bas en haut, on va essayer de faire. Vous voyez là-bas. On va essayer de mettre un peu de terre là-bas parce que là-bas, il y a une ouverture. Et donc justement, bah, la prochaine fois, on lui donnera les deux autres tonneaux. La prochaine fois parce que là on a un cours de temps et du coup voilà. Et du coup voilà, la prochaine fois on se retrouvera bah, du coup avec Tricot, puis on lui donnera bah, simplement les deux autres tonneaux supplémentaires pour qu'il se requinque et puis qu'on puisse repartir simplement la prochaine fois. Mais du coup voilà, donc maintenant on a récupéré notre miroir du coup et notre Tricot bah, tout simplement est vraiment très 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 mal en point. Et donc du coup, ben, on le sauvera dans la prochaine vidéo. Donc du coup, ben, je vous retrouve tout simplement la prochaine fois. Donc entre-temps, ben, du coup, on va le guérir la prochaine fois uniquement. Hein. Comme j'ai dit,
Malheureusement, on a un court de temps, donc on ne pourra pas aller chercher les deux autres tonneaux supplémentaires, mais la prochaine fois, par contre, on le fera. Donc on le fera du coup bah, le samedi 31 décembre, donc au samedi 31 décembre. C'était Solution Trophée et Tricot Malon Point.